Et bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, oui, ça Bonsoir, commence. bonsoir. Ouais, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai fait pas mal de vidéos pour la chaîne, hein, bien évidemment, et donc du coup, je mâche mes mots maintenant, ça y est. J'espère que vous allez bien tous en ce jeudi. Bah oui, on va lever le. Ben oui, hein, c'est le Bien. Luvelup, alors c'est la vidéo Luvelup, On alors passe c'est un niveau quiz. 5. Exactement, niveau 5. Et voilà, donc tout le monde a fait son petit level up. Normalement, j'ai tout mis sur les fiches, tout va bien. Et voilà, bah on va faire dans l'ordre des caméras. Tiens, donc on va commencer par Terrandoule. Voilà. Ah bah Terendul, attention. Ça renvoie le pâté. Excellent. Du coup, est-ce qu'on fait la petite précision pour dire que j'ai changé un de mes trucs Oui, vas-y, vas-y. Voilà. Parce que j'avais pris une capacité que je me suis absolument pas servi, et du coup que je vais me permettre de remplacer parce que notre GM m'a permis de le faire. Alors c'était la solution psychokinétique. Déjà, c'est trop chiant à dire. Peut-être pour ça que tu l'as pas utilisé, hein. Ah ouais, j'arrivais pas à le dire, je l'ai Ça pas avait retenu. pas l'air bien, hein. Alors, en gros, c'était des fantômes qui me filaient de la classe d'armure, qui pouvaient me filer des bonus sur ma classe d'armure. Et du coup, je le remplace par bombe de précision. Et bombe de précision, c'est bien parce que ça me permet d'utiliser mon bonus d'intelligence. Donc là, pour l'instant, j'ai plus 3. Et ça, donc comme j'ai plus 3, j'ai le droit à 3 cases. Et c'est quand je jette une bombe, vous savez, il y a les dégâts d'aspersion tout autour de là où je jette la bombe, et j'ai le Ouais. droit de choisir 3 cases où je ne vais pas faire de dégâts. Du coup, je vais pouvoir jeter des bombes sans vous en foutre plein la tronche. Trop bien. Mieux. Ouais, ça c'est la fin de mes monstres, ça. Merci, merci. Voilà, donc ça c'était le petit truc. Le petit, hein. Ça c'était le petit changement. Alors, donc sur mon niveau, si on récapépète, je gagne un nouveau don. J'ai choisi tir à bout portant, qui me fait gagner un en plus un sur mon jet d'attaque et plus un sur mon jet de dégâts si je suis proche de l'ennemi. Alors un coup, Forben, tu m'as mis 6 cases et des fois Ah 8 ouais, cases. c'est 8 cases, c'est 8 C'est 8 cases. cases. Donc quand je suis à moins de 8 cases, j'ai plus un en attaque, plus un en dégâts. Ensuite, j'ai gagné un talent. J'ai pris le talent premier soin. Ce qui fait que quand j'utilise ma compétence de premier soin, j'aurai un bonus de plus 3. Ouais, c'est ça. Ah, ensuite, j'ai eu le droit à une petite potion. Donc un petit. Ouais, c'est ça. J'ai appris à faire une nouvelle C'est potion. une Hein, nouvelle c'est ça. formule de potion, Une c'est ça. nouvelle formule de potion. Et j'ai choisi la patte d'araignée. Et en gros, ce qui va me permettre de grimper au mur, au plafond. Ah oui, tu bois la potion et Exactement. tu colles. Ouais, Ouais, ouais. Pendant 50 minutes. Donc je peux faire grimper. Et c'est que positif, ça peut pas être handicapant? Non, ça a pas de. Ça n'a pas de négatif. Et mes bombes, qui faisaient 2 des 6 points de dégâts, elles ont gagné 1 des 6 en dégâts. Du coup, maintenant, mes bombes, c'est 3 des 6 dégâts. Ah ouais. Il va bien falloir que tu choisisses les cases où ça fait pas de dégâts. Et les dégâts Non, l'aspersion, ça change pas. Hein. L'aspersion, C'est. ne change pas, c'est toujours par rapport à. Enfin, ça change, ça, tu gagnes plus 1. Voilà, il gagne plus 1 Ouais, par je rapport à plus avant. Parce que c'était les dégâts minimaux de chaque dé, donc du coup, bah, vu qu'il a un dé supplémentaire, voilà, ça D'accord, fait plus donc 1. c'est 3 plus son intelligence ou non, Voilà, je sais c'est pas. 3 plus son intelligence, c'est ça. Donc 6 de splash, c'est pas mal, hein? C'est ça. Et j'ai eu 8 points de compétences à améliorer. Du coup, bon, j'ai Bon, oui, réamélioré voilà. les. Ouais, c'était. D'ailleurs, je te les ai pas mises, je vais te les mettre dessus. Et puis, il restera le dé de vie. Puis, je pense qu'on est bon. Bah, le dé de Gouvernement. vie, vas-y, c'est un D8. Donc, let's go, hein. Donc, non, c'est un D4. Du coup, tu m'envoies un D4 et on fait 4 plus ce que tu vas avoir sur ton D4. Plus 1 quoi. Oh mon Dieu. Bah, 4 plus 4, 8, hein. Ouais. Oh là là. Oh là là. Encadre-le celui-là. 4 Encadre-le. levels d'un coup. J'avais
Vous avez pas lancé l'enregistrement là, c'est il va Si, si. Si, si, c'est dans ah la boîte. Merde, non, ça marche pas, il faut refaire. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Ouais. C'est rare hein, quand on fait des max. Ouais, c'est rare. Oh, bah, oui. C'est une chance sur 4 hein, là. Ouais. Donc, ouais. Discrétion, ok. Et bah voilà, très bien. Donc, ça, c'est un bon niveau. On va passer à. Bah... C'est vrai ouais, que Terendoul, ça ressemble un peu à Tarantule. Hein. Ah, ouais, c'est vrai. Ça, hein. Collé au mur et tout. Putain. Tarantoul. On va passer à Iki. Ok. Iki, un level de pistolier. Ça me débloque 3 nouveaux exploits, du coup. Alors les exploits, je peux les cramer, c'est avec des points d'audace, hein, le pistolier, vous vous souvenez du truc. Je peux, du coup, ça s'appelle coup de crosse, pour un point d'audace. Je peux faire une attaque au corps à corps en claquant un gros coup de crosse à mon adversaire. C'est les dégâts, c'est le bonus de base, et c'est un dé de 6 plus le modificateur de force. J'ai très peu de force, donc ça m'étonnerait que je m'en serve, mais ça permet quand même de mettre un petit coup pour un point d'audace. C'est toujours ça de prix. Et surtout, c'est si tu veux pas ranger ton arme, sortir ta rapière, des fois ça peut être utile. Tout à fait. Ça reste une attaque gratuite, vu que c'est un point d'audace. C'est un point d'audace, c'est vrai. Mais si tu non, tues la cible ou sur. D'accord. Ah, c'est... ça me consomme une attaque simple. Okay. Bah, je pense, hein. Par une action simple. Voilà, c'est écrit. Cross... Ah oui, une action simple, d'accord. Ok. Voilà. Deuxième, c'est initiative du pistolier, ça c'est excellent. C'est tant que j'ai un point d'audace, je cramerai jamais mon dernier point d'audace. Mon jet d'initiative lors d'un combat, il gagne toujours plus 2. Et je dégaine mon arme gratuitement si j'ai une main de libre. Ça, c'est bah, quand si, même sympathique. Sur un boss ou sur autre chose, tu peux. Ouais, à la fin, oui, mais ça serait bien de toujours en garder un pour tout le temps, quoi. C'est sympathique. Et voilà. Et le troisième, c'est un tir utilitaire. Pareil, ça me consomme un point d'audace. Je peux cautériser un saignement, briser une serrure. Enfin. Enfin, il évitera de consommer. Enfin, c'est 100%. Déplacer un petit objet grâce à un tir avec mon pistolet. Le mec, il vise quoi. Voilà, ça c'est les 3 petites choses que j'ai en plus. Et j'ai chopé 3 points de compétences aussi. Ces 3 points de compétences, j'ai mis perception. Perception, bluff. Bluff, et puis le troisième. Escamotage. Escamotage, ouais. Merci. Voilà, je prends un point de BBA supplémentaire, parce que je reprends un level de pistolet. Un point de volonté. Et la chose la plus importante, j'ai un nouveau don. Qui est tir de précision. Ah. Tiens. Enfin, ça aussi. Ouais. C'était nécessaire. Je n'ai plus le. Oui, c'était nécessaire. Je n'ai plus le malus de moins 4 quand je tire dans le tas et mes alliés sont au cac. Ça, c'est sympa. C'est excellent. Voilà, je suis bien content. Voli volou. Très bien. Bah, parfait. Les PV. Les PV. Donc les PV c'est un D5 pour toi. Donc tu fais tu sais comment faire un D5? Je sais plus. Slash un D5. C'est slash R un D5. Slash R espace un D5. Voilà, 3, donc ça te fait plus 8 PV. Voilà, formidable. C'est bien. Ça reste très bien. Comme moi. C'est ça. Je Très bien. 53 points de vie. Exactement. C'est pas vilain. Hein. On va passer à Kaito. Oui. Au bout de moi, très simple. Hein. Très simple cette plus fois. Plus un D6 à la stack attack. Voilà. Ça c'est efficace, c'est pas cher. Voilà, on envoie du dégât. Pas grand chose de plus. Hein. Après, je peux tirer avec les shurikens. Ouais. Donc j'ai pareil, j'ai tir à bout portant. Comme tout le monde ici, je crois. Je crois que quasiment tout le monde, à part Zazu, il n'y a pas de. De quoi il n'envoie pas ses points bientôt. Pas encore. Bientôt.
Déjà, ce point, il change un peu. Pas un bout portant. Du coup, qu'est-ce que ça fait plus 1 à l'attaque, plus 1 dégâts, si je suis dans un range de 6 cases. De 8 cases, je me suis trompé. C'est 8, ok. Ouais, c'est 8, c'est 8. Après, rien de plus. J'ai pris plein de compétences parce que j'ai droit à plein de compétences. Et voilà, donc j'ai encore amélioré mon acrobatie, mon escalade, mon côté persuasif. je sais plus ce que c'était. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs que j'ai monté comme ça. En vrai, je crois que c'est 6. Je crois que je dis de la merde juste alors. Je crois que c'est 6 cases. D'accord. Parce que c'est 9 mètres, donc 1,5, 1,5, ouais, c'est 6 cases. 6 cases. Donc moi, c'était juste, c'est les autres qui s'en foutent. Ok, très bien. Voilà, c'est ça. Parfait. Et puis, voilà. Point de vie. Ouais, les points de vie. Un des 4, s'il te plaît. Un des 4. C'est tir à bout portant. Ouais. C'est 9 mètres. C'est 9 mètres, mais c'est 6 cases, du coup, vu que c'est 1,5 mètres par case. C'est ça. 6 fois 1,5. Combien il a fait 1 ? Aïe, aïe, aïe. Ben, ça fait que plus 5. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Oh, comment je rattrape le ninja ? Oh là là, ninja, là. Tu fais pas ça d'habitude. Bah ouais, ben, ça arrive. Ah ouais. Donc, combien de donc voilà, un niveau plutôt 40... simple. Tu m'as mis les points de vie ? Ouais, c'est bon. 47. Oh, c'est bien quand même. Ah oui, je suis encore loin. On a quoi, donc 47, 53, c'est ça Iki, 53 ? 53, ouais. 53. Et toi, Terendul ? 62. Oh ! Oui, oui, non. Bien sûr. Non, non, mais sans mentir. 39. Ok. Ah, bah, après, faut, après, non, mais après, t'es un mage, hein, faut pas non plus, t'as pas de constitution, hein, beaucoup, hein, donc... ça joue aussi, hein. Derrière. Ah, on a un mage dans le groupe ? Putain, mais fallait le dire! Il y en a deux même! Ah merde, il y en a deux! Ah, non, mais j'en vois toujours une avec une arbalète et puis l'autre qui a des tentacules là, qui bougent partout, qui lance des grenades! Alors, je vais poser des questions! Profiter de l'arbalète parce que ça va changer! Hein. Attention, hein. Spoiler alert, ça va changer! Hein. Et oui! Elle a plus besoin d'arbalète, elle balance des flèches comme ça! Ouais, la main comme ça là! Tac, tac, tac! Non, mais on va passer par Enzaru puis on finira en beauté par Elerina parce que Elerina, elle en a des choses à dire! Ah là, là là là, pour une fois. Moi aussi, hein, j'ai une liste longue comme le bras. Ouais, ça va. Hein. Vas-y. Alors, je reprends ça. Non, ça va, c'est pas si long. Non, ça va. Alors, déjà, je prends un niveau de moine. Hein. Déjà, wow. Grosse surprise. Grosse surprise. Ah oui, pardon, moi j'ai pris un niveau de ninja. Oui, oui. J'ai pas dire. Et du coup, vous gagnez un BBA ? Oui, tout à fait. Oui. Bien. Un de volonté et un de BBA, effectivement. Bien. Donc, au niveau 3 de moine, eh ben, j'ai ma réserve de ki qui arrive. Ça y est. J'ai enfin ma réserve. Lui aussi. Lui aussi, il a du ki. Moi aussi, j'ai du ki. Est-ce qu'on peut se le prêter ? Se l'échanger ? On peut faire des échanges de ki ? Oh non, vous touchez pas. Pas d'échange de ki. Donc, du coup, j'en aurai 5 pour commencer. 3 de par ma sagesse et 2 de par mon niveau de moine. Donc ça fera 5. Donc ça permet quoi ? Bah ça permet en tant que... Tant que j'ai un point de ki, de faire des attaques non armées de type magique. Donc du coup, mes points sont considérés comme magiques tant que j'ai un point de ki dans ma réserve. Pour, essentiellement pour, bah, pour les résistances magiques. Hein, physique, ouais, bah c'est genre physique, ouais, les résistances physiques, physique, voilà, physique, c'est ça. Ouais. S'il y a des ennemis qui sont résistants aux armes contondantes, bah, du coup, il faut qu'il le sache hein, déjà. Hein. Donc, il faut que soit il ait la connaissance. C'est activé déjà à volonté l'ennemi. Ou pas ? C'est activé à volonté tant qu'il a un point de ki. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Du ki. Mais en gros, tu peux dire mon attaque, c'est juste. Oui, physique. Ça le sont tout le temps, en fait, je crois. Ah non, ah, c'est au choix. Ah ouais, d'accord, ok. C'est au choix. Bah, t'as mieux parce que ouais, tu seras emmerdé, genre un truc ouais, bah, qui résiste en magie. On part du principe qu'elle est tout le temps activée. Moi, oui, oui, bien sûr. Comme ça. Bien sûr. Fois de manière générale, de toute façon, de manière générale, c'est mieux que de faire des dégâts contondants, les dégâts magiques. Parce qu'il y a beaucoup moins de choses qui sont résistantes aux dégâts magiques. Et les petites situations où ça sera le cas, et ben, soit il le saura pas, il s'en rendra vite compte,
et la première attaque sera pas de super, et voilà, et puis après c'est tout. Hein. je me souviens plus, lié aux armes, est-ce que dans ce Pathfinder, quand on a une arme plus 1, plus 2, est-ce que c'est considéré comme une arme magique? Non. Non, non, c'est dans D&D, ça. Ouais, c'est dans D&D, ouais. C'est vrai. Sinon, eh ben sinon, en dépensant un point de ki, je peux ajouter une attaque à mon déluge de coups. Voilà. Du coup, je pourrais faire... J'étais à combien d'attaques là? J'étais à deux. Deux attaques. Trois attaques. Ouais. Ça, c'est fort. Je régénère mes points de vie tous les matins, après 8 heures de repos, qui ne sont pas obligés d'être consécutifs. En fait, c'est 8 heures de méditation. Oui, c'est ça. Les oreilles pointues ou pas? Non. Sinon, j'ai le déplacement accéléré. Donc, j'avance de 2 cases supplémentaires, et ça, c'est tout le temps. Parce que le wow. Moine, plus il monte en level, plus il va vite. Il se déplace vite. Il est mobilette. 2 cases supplémentaires, c'est pas mal, quand même. C'est super fort. Ça fait 8 cases au lieu de 6, maintenant. Donc, ouais, très fort pour la mobilité. Un nouveau don. Et j'ai pris attaque sournoise accomplie, qui rajoute un dé de 6 à mes attaques sournoises. Pour l'instant, j'arrive à coller le ninja, mais ça va pas durer parce que ça sera spoiler ahead, ça sera le dernier point. 5 points de compétences que j'ai distribués. Globalement, c'est la même chose. Non, j'ai pris 2 nouveaux, il me semble. Les points de compétences? Ouais, il me semble que j'en ai pris 2 nouveaux. Je crois que t'en as pris 2 nouveaux, t'as dû prendre mystère et nature. Ouais. Je crois que c'est mystère et nature en nouveau que tu as pris. Enfin bon, il y en a pas mal. Et puis voilà, la volonté BBA, j'ai dit. Et voilà, et donc les points de vie. Yes, un petit des 4. Non, un des 5 pour toi maintenant. Ah oui, d'accord. Oui, okay. J'avais oublié que j'étais passé au-dessus. Juste dans les compétences, j'ai pris cette fois-ci exceptionnellement. Un point de plus en compétence, connaissance, noblesse. Je fais quoi? C'est roll D5 HR. Slash R, plus loin, un D5. Ah bah voilà. C'est 4. Oh non. Bah bienvenue dans le monde des tanks. Hein. Ouais. Donc plus 6. Ouais, heureusement qu'on fait cette règle. Hein. Ouais. Ah bah, du coup, tu restes dans la moyenne. Ouais. Ça fait chier, c'est le tank. Et ouais, 48 points de vie, du coup. Donc ça reste OK, hein. Ça reste OK. 48 au lieu de 50. Ah non, il a un point de vie de plus que moi. Alors, et voilà. Et du coup, bah, on va passer au plat de résistance. J'espère que vous êtes prêts. Écoutez bien. Elerina, qu'est-ce qui se passe pour ton level up? Je suis touchée par la malédiction de l'oracle. Effectivement. C'est pas positif. Non, c'est pas très positif, mais... Alors, c'est quoi les côtés négatifs de cette malédiction? Qu'est-ce que ça t'a fait? Ah, il faut appuyer sur le bouton, par contre. Ah oui, c'est mieux. J'ai les extrémités de mes membres noirs et tordus. Ouais. Et du coup, bah, j'ai moins 4 au jet de sauvegarde d'attaque. Juste d'attaque. Moins 4 au jet d'attaque avec des armes manufacturées. Donc l'arbalète, adios, hein, comme on dit. C'est ça. Mais alors, en contrepartie, qu'est-ce que ça t'a fait gagner? T'as gagné des sorts et autre chose, et d'autres choses. Eh bien... J'ai le sort main brûlante. Ouais, très bon sort de zone. Et d'ailleurs, j'ai pensé, je pourrais l'associer avec la graisse, par exemple. C'est vrai. Du coup, ça fera graisse brûlante. Bah, ça fera une zone enflammée, quoi. Ou main grasse, comme tu veux. Ou très gras liquide. C'est le sort comme dans Baldur's Gate, c'est les deux mains l'une à côté, ça fait un cône de feu ça devant toi. Ça fait un cône de feu, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, ça fait mal, ça. Ah, alors, il est en théorie, bien, ça fait mal. Il est bien, celui-là, on le connaît, celui-là. Celui-là, il fait mal. Est-ce que tu te souviens des trolls? Les trolls, là, qu'on n'arrivait pas à buter parce qu'il fallait les craver. Quand ils disent extrémités noires et tordues, là, c'est les mains et les pieds, c'est tout? Oui, c'est juste les mains et les pieds. Est-ce que du coup, elle a des problèmes de déplacement? Non, mais c'est principalement les avant-bras et les mains.
principalement. Donc voilà, ouais. Elle a pas de problème de déplacement. Mais voilà, au niveau des attaques, du coup, vu qu'elle a les doigts complètement, un peu comme si elle avait les mains brûlées, en fait, hein, voilà, tout simplement. Les mains comme du charbon, un peu. C'est voilà, compliqué d'ajuster un carreau. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que ça t'a donné d'autre ? Il y a d'autres choses. Et je peux façonner ou modifier la forme des objets en bois. Ouais, une fois par jour. Ils deviennent du charbon, c'est ça ? Non, c'est juste les morpher, en fait, les tordre, les casser en deux. Ou même, si elle veut, elle peut essayer de fabriquer une petite... petite arme, un petit objet en bois. Petite pipe, on peut le dire. Ouais, bah, par exemple, hein, une fois par jour, mais principalement, les choses les plus intéressantes, c'est pour ouvrir ou casser des portes, ou elle peut casser des armes à distance. Genre, si quelqu'un a un arc ou une arbalète, elle peut tordre l'arme, et du coup, elle devient inutilisable. Et distance, elle peut faire ça, loin ? Ouais, alors à distance, oui, elle peut. Alors, la distance exacte... Parce que s'il faut aller au cac, lui coup, lui tordre son arc, bon, non, je peux non, le faire non, aussi, non. Hein. Non, non, c'est... je vous dis ça de suite. Si ça veut bien l'eau de la page internet. Alors, c'est 6 cases. 6 cases de distance. Ça va. Bah ouais, c'est... En plus, tu dois pas être loin de la portée de ton cône de feu, donc... Ça semble être une distance où tu... Ça nécessite une action ? Tu seras bien. Oui, c'est une action, ouais. C'est une action simple. Ok. T'as quand même une action, si ça passe, tu désarmes quelqu'un pour un combat. C'est quand même plutôt fort, quoi. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça a des facettes pour le combat, mais ça, si elle veut s'en servir pour l'exploration ou autre, ça peut être utile aussi, quoi. Ce que tu disais, elle peut déformer les portes, c'est ça ? Si une porte en bois, elle peut... C'est ça. Mais du coup, ouais, parce qu'elle disait pas que c'était que pour les petits objets, si, c'est jusqu'aux portes, ça va ? Ouais, voilà, on va dire que maximum, c'est portes, quoi. C'est, là, ouais. C'est genre la palissade d'une cité, nickel. Voilà, c'est ça, là, on va éviter, quoi. Alors moi je te tords la cité. Mais parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est, alors à partir, il faut que ce soit une porte en bois avec une serrure simple, on va dire, pas une serrure ultra compliquée en métal. Voilà. Un pont levis ? Non. Bon, on arrête. Qu'est-ce que t'as gagné ? T'as gagné des sorts aussi, parce que du coup, tu as pris un niveau d'oracle qui n'est pas un niveau d'ensorceleuse. Donc c'est tu as appris plein de nouveaux sorts. Qu'est-ce que t'as appris ? J'ai appris 4 cantrips et 3 sorts de niveau 1. Alors les cantrips, j'ai pris assistance divine qui permet de donner plus 1 au jet d'attaque, de dégâts, sauvegarde ou compétence. Ok, très bien, c'est en cantrip. C'est pour tout le monde ? Non, c'est en fait c'est genre vous avez un jet à faire, je ne sais pas moi, un jet d'acrobatie pour passer par-dessus une ravine. Ouais. Et ben tour à tour, elle vous fait l'assistance divine. Vous avez tous plus 1, mais c'est pas collectif quoi, c'est par cible. Ouais, d'accord. Mais elle peut nous cibler nous. Oui, elle peut vous cibler vous. Par contre, il faut qu'elle puisse toucher la personne. Donc du coup, il faut que vous soyez côte à côte pour. Ouais, je reste au fond avec elle, moi, tranquille. Voilà. Non. Sur un tour où elle a absolument rien d'autre à faire, où elle peut pas utiliser ses sorts, et ben au moins elle pourra donner un plus 1 à un jet d'attaque ou à un jet de dégâts de quelqu'un quoi. Voilà, ça au c'est moins bien, c'est... Hein. Sur un cantrip, c'est sympa. C'est ça. Quels sont les autres cantrips ? J'ai appris stabilisation. Ça permet de stabiliser un camarade inconscient. Ouais. Voilà. Ça c'est classique mais automatique hein. Ouais, pratique. C'est ça. Alors le troisième, il est un petit peu plus particulier. Vas-y. C'est stimulant. Ça ajoute un point de vie temporaire. Ouais. Alors ça, c'est ce qu'on va faire, c'est que dans les règles, en fait, il n'y a rien qui t'empêche de dire bon bah toutes les, je crois que ça dure une minute, toutes les minutes, hop, je lance mon cantrip stimulant sur quelqu'un. Donc
tu vas choisir quelqu'un et à partir de ce moment-là, dès qu'on commencera un combat, je lui mettrai un point de vie temporaire. Voilà. Donc c'est pas grand-chose, mais parfois un point de vie, ça peut jouer. Ça peut jouer. J'ai une question bête. Quelqu'un tombe inconscient. Est-ce que peut stimuler, le stabiliser puis le stimuler? Oui, après ça changera pas grand chose parce que c'est un point de vie temporaire. D'accord. C'est pas un point de vie, c'est pas un vrai point de vie. C'est ouais. Comme un bouclier. Voilà, c'est comme un D'accord. bouclier. Voilà, c'est ça. Ok, ok. C'est nul. Bah, c'est un cantrip. Hein. Oui, non, c'est cool. Et le quatrième sort? C'est diplomatie améliorée. Ouh là là, ça veut dire que tu vas parler. Non, parce qu'elle peut le lancer sur les autres. Ah. Elle va te dire, toi, tu vas parler. Ouais. Alors, du coup, ça donne combien? Du coup, c'est plus 2 pour diplomatie ou intimidation. C'est ça. Oh, c'est pas mal. C'est bien intimidation, j'ai déjà beaucoup. C'est ça. Et les 3 sorts de niveau 1, quels sont-ils? Là, ça va vous plaire. J'ai soin léger. Bon, ça, voilà. Ah, bien. Ça. Ça économise un peu la baguette. Mais oui, ils avaient un soin de plus, c'est très bien. Ouais. Ça a l'air de prendre des coups de baguette. Il y a action interdite. Tu peux nous dire, le soin léger, c'est combien? C'est un dé de 8? C'est un dé... Oh, tu m'en poses ces questions, toi? Ça doit être un, ouais, un dé baguette, 8 plus... C'est un dé 8 plus le niveau du lanceur de sort. C'est parfait. Le niveau du lanceur de sort en oracle? Ouais, c'est ça. Okay. Donc pour le moment, ça sera plus simple. T'es sûr? Ouais, bah c'est ce qui est écrit sur le sort. Donc, Là, tu l'as. Comment ça fonctionne dans ta classe? Alors, tu l'as une fois en le fait, sort? Alors, elle a un pool de. Par jour, elle peut lancer tant de sorts. Ouais. Et en fait, elle a tous ses sorts déjà, entre guillemets, préparés. Et elle peut choisir. Voilà, donc si elle peut lancer 3 sorts légers dans la journée. Oui, c'est comme un moche, quoi. Faut qu'elle fasse au moment de la méditation le choix. Non, du tout. D'accord. Du tout. Elle fait vraiment ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si elle a besoin d'un soin léger, elle peut utiliser un soin léger, mais si elle en a pas besoin, elle peut utiliser une main brûlante. Ouais, c'est des emplacements. Okay. C'est pas vraiment des emplacements. C'est des slots. C'est des slots, ouais, voilà. Bah, c'est ça. C'est comme t'avais toi en Warlock sur D5. Oh, ouais. Ok, et du coup les 2 autres sorts, parce que ceux-là sont beaucoup plus intéressants, je trouve. Alors il y a action interdite. Ça permet d'interdire à un ennemi de faire une action. Soit il ne bouge pas, soit il n'attaque pas, soit il ne lance pas de sort. Et il y a une quatrième possibilité, c'est ne communique pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de parler à ses alliés pour ce que ça veut. Il fait rien de toute façon pendant son tour. Non, parce que c'est un des 4. Ouais, c'est choisir. Un des 4, d'accord. Voilà. Bah, c'est extrêmement fort. Ouais, mais il fait un test de résistance, j'imagine. Là... Oui, c'est un test de volonté. C'est un test de volonté. On en reparlera un petit peu après. Ok. Trop bien. Et le troisième sort? C'est ordre assassin. Ça permet de charmer un ennemi qui va se déplacer vers un allié proche de lui et pour l'attaquer au corps à corps. Comme ça, ils s'attaquent entre eux. Exactement. C'est force aussi. Et c'est qu'une seule fois? Et c'est qu'un round, ouais. Mm. C'est sûr qu'un seul round. C'est déjà fort. Ça doit être de la volonté aussi. La volonté aussi, ouais. Avec son niveau d'oracle, elle a les mains brûlantes, là. Elle peut lancer le sort main brûlante, ça lui... use un sort là qu'elle a par jour ou... ouais. Ça lui use un sort mais elle l'a eu gratuitement ce sort. Ok. Et plus elle va passer en niveau et plus elle va gagner des sorts de feu puissants. D'accord. Ouais, ouais. La malédiction c'est vraiment dû quelque chose de. Eh ben. De cramé quoi. Oui. oui. Ok. Et ensuite, tu as gagné un don. Donc, on a du coup, c'est pas celui qui est écrit, du coup, c'est l'enchantement. Oui. Changer ça. Je pense que c'était mieux. Voilà, je pense que c'est mieux. Vas-y, hein. Du coup, ça rajoute plus 1 à la difficulté du jet de sauvegarde pour tous les sorts d'enchantement. Voilà, donc y compris
Et ben l'action interdite et l'ordre assassin et les bêtements pour les cas où Irina se décide de dire allez, aujourd'hui on un petit coup de folie, on débête les persos moins de level 4. Hein. Je répète, hein, moins de level 4. Hein. Attention. Ah, parce que bah, plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Ah, c'est pour ça, hein, je répète, hein, c'est voilà. C'est le sort du mot. Donc voilà, et après ben quelques points de compétences comme tout le monde et voilà. Et là, le dernier sort d'Elerina, pas le sort, le don, là, pour donner un bonus de plus 1, ça peut être sur les alliés ou c'est que sur... Non, c'est en fait, par exemple, pour là justement, pour l'action interdite et l'ordre assassin, il faut que les ennemis réussissent, pour ne pas subir l'effet, il faut qu'ils réussissent un DC 14 normalement. Ouais. Et avec l'école renforcée, ça sera un DC 15. Ouais, c'est que sur son GAL. Bah, c'est leur GAE. C'est leur G. Ah oui, c'est leur G. Et si moi, je lance, par exemple, allié à volontaire, qui est un peu comme Horde Assassin, est-ce qu'il y a ce bonus de plus 1 Non, du tout, c'est que pour elle. C'est que pour elle, d'accord. Ouais, okay, c'est ça à elle. D'accord. Ouais. Ok. Et tu parlais de la volonté, du coup. Tu voulais dire quelque chose? Ben non, en gros, c'est... Non, mais c'est ça, elle met moins 1 sur les G, sur CG, surtout. Voilà. D'accord. Voilà, et du coup, bah, un petit D4, s'il te plaît, Irina. Ça en fait des choses. Oui. Ah, puis tu nous as pas donné, Irina, tu nous as pas donné les dégâts de ton cône de feu, j'aimerais bien savoir. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, fais ton D4, je vais leur dire. D'accord. Main brûlante. Alors, main brûlante, c'est... Alors, pour le moment, c'est pas fou, mais ça va venir. C'est... Tous les comme niveaux, le ça va augmenter. C'est ça. Ouais, voilà. Ah, c'est Dayron, tu fais chier quoi. Pourquoi t'as pris toute la charge du groupe? Franchement, vous êtes nuls au DC. Quand il fait 4, nous on fait tout ça. Ouais, c'est ça. Mais non, mais... Et à choisir, vaut mieux que tu fasses 1 et qu'on ait tous 4, non? Vous avez pas compris, c'est le logiciel. À chaque fois, ceux qui commencent, ils font les gros dés, puis après, c'est plus le dés. Alors moi, je demande. Passer en premier. Vérification des dés. Non mais ça t'inquiète, hein. Tu sais que je me suis beaucoup posé la question, j'ai été reposé la question encore il y a deux semaines. Il doit se faire harceler. Mais non mais, je leur dis non mais vous êtes sûr parce qu'on fait quand même beaucoup de 1 ou de 20, hein, je trouve, il y a peu de trucs entre. Hein, et il m'a montré encore la charte qui est quand même bien plate, pas de soucis. Pas de bol. Donc pour le moment c'est 1 des 4 et à chaque niveau ça va augmenter jusqu'à 5 des 4, la main brûlante. 1 des 4 en zone. Ouais. Ah ouais, je monte à plus. Ok. Ouais, pareil. Ok. Bon, ça montera. C'est ça. Oui, mais c'est un sort de niveau 1 aussi. Oui, voilà, ça sort un niveau 1. Et c'est en cône. Et c'est en cône. Oui. C'est un cône de 15 feet. Et surtout, après, ils peuvent brûler, quoi, on va dire. Donc, Ah oui, dégâts de tic. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas vraiment de règles pour ça, en vrai, mais je vais les faire parce que je trouve ça logique, en fait. Ouais. Bah, au moins quand ils sont dans l'huile. Ouais, bah il y a ça. Mais en fait, le truc, c'est que ça prend une action de s'enlever des flammes, enfin, tu sais, de s'éteindre les flammes. Mm-hmm. Donc, je trouve ça intéressant, je trouve ça logique. En fait, je te fais cramer, c'est pas comme. Quitte à mettre qu'un seul tic le temps qu'ils éteignent les flammes. Voilà, c'est ça. Et ben voilà. Une bonne petite bien. Montée de niveau pour tout le monde. Hein. Très bien. Bien. Ouais. Ouais, bah bonne. L'idée de vie. Ah, les dés de vie, ça aura pas été roulé, fou là, hein. Aujourd'hui. Hein. Bah, toi, ça va, t'as fait ouais, mais moi, ça me. Enfin, le plus important, après, c'est plus Enzo le plus important, quoi. C'est ça qui fait un peu chier. Ouais, parce que même la mage, maintenant, elle est à 40 points de vie, donc bon. Et bah, c'est bon, elle est Rina, elle s'est stabilisée, il peut tomber. C'est ça, voilà. De toute façon, il aura un point de vie supplémentaire. Exactement, voilà. Un point de vie supplémentaire maintenant. De quoi tu te plains? Un point de vie temporaire à chaque fois. Yes. Et ben okay, voilà. Okay. Et ben écoutez, petite vidéo level up, ma foi assez fun. Hein. Pas mal de nouvelles compétences, de nouveaux dons. Parce que les niveaux 5, c'est toujours un don pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Donc bah, prochain niveau dans 2 ans. Hein. Je vous préviens. Hein. Allez, à dans 2 ans. Ouais, allez. De plus en plus. Ouais, non, en vrai, ça va aller là maintenant. Ça va presque aller plus vite le level 6 que pour vous d'avoir le level 5. Ouais, je vous préviens. À bientôt alors. À bientôt. Ciao. Salut. Et voilà,
l'épisode est terminé. Il est l'heure de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et rajoute un pouce si tu as aimé la vidéo. Avec Twitch, viens nous voir en live. Sur Facebook, tu peux aimer notre page. Sur Twitter, suis-nous. Tous les liens sont dans la description. Allez Minsk, on y va. Nous on a encore du gobelin à dérouiller.